Good morgen, allez, Idan est sutro aujourd'hui, le lunich, Matrisha Ron Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, et Dani Myriam, Bat, Elisa, Sayak. Si vous savez où c'est l'année prochaine, tu ne me chasses pas, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions aujourd'hui, Maserhet Yoma, Perigvav, Mishnah Gemel, Messarol et Mishaya, Molicho, Akol, Kshirinele, Molicho, et la chasse au Konim, Keva, Akonim Gdolim, Keva, Veloayo, Manichin, et Israël, le Molicho. Amar Biosi, Masé, Veolicho, Arcela, Veisraël, Ayar. Mishnah très courte. On continue dans ce chapitre maintenant à évoquer les conditions requises pour envoyer le Saïr à Mishtaleach. Soit on avait tiré au sort entre les deux boucs, un bouc qui allait être offert à l'Hachem, qu'on allait faire la Shrita dans la Zara et asperger son sang. En parallèle avec le sang du par du Kohen Gadol, devant le Aaron, sur la parochette, sur le Mizbeach Hazav. Le deuxième bouc, on doit le prendre et partir le jeter sur une falaise. Dans Mishnah Aleph, on a découvert les conditions physiques du bouc, qui devait être identique au Seir Lachem. Dans la deuxième Mishnah du Perek, Mishnah Bet précédente, on a évoqué le vidouille que le Kohen Gadol faisait au nom de tout Israël pour que le bouc va porter maintenant toutes les fautes du homme Israël. Et là maintenant, on s'apprête à l'envoyer dans le désert, dans l'envoyer à l'extérieur de la ville, là où il y avait une falaise, et on le jetait de là-bas. Notre Mishnah nous dit maintenant, la Torah l'a précisé d'abord, qu'il faudra envoyer Beyad Ish Iti Amidbara, le pasuk qui dit. Il faudra enlever avec un homme ponctuel dans le midbar pour aller le jeter là. Cet homme ponctuel, alors la Mishnah me dit, mais Saro le Mishaya Molicho. On le transmettait une fois que le Kohen Gadol avait fini de faire le vidouille, il le transmettait à le Mishaya Molicho, à celui qui avait été désigné pour le transporter. Et la Mishnah me dit, tu sais, à Kol Ksherin Molicho, tous sont cachers pour prendre le Saïr et la porter au désert là-bas. Même un Israël. Cependant, et là, Shasu Akohanim Gedolim Keva. Les Kohanim Gedolim ont fixé ça en. Je ne sais pas comment traduire le mot Keva, en taxe, je ne sais pas. Ils ont fixé ça en quelque chose de fixe. Veloyam Enichin et Israël le Olicho, ils ne laissaient pas le Ham Israël le transporter. C'est-à-dire les Kohanim Gedolim avaient instauré entre eux. C'est comme ça que ça a été adopté, sans grande logique prouvée. Comme ça, c'était, ils se sont octroyés le droit, que c'était désormais plus un Israël qui l'a porté, mais c'était un Kohen qu'eux-mêmes désignaient. Il y a ici le Tosot Hadashim qui propose d'expliquer pourquoi, spécialement, les Kohanim ont souhaité le faire. Entre parenthèses, il rapporte quelque chose, il rapporte un midrash que celui qui transportait le bouc émissaire pour aller le jeter de la falaise, ne finissait pas son année, ensuite il mourait dans la même année. Selon ça, il utilise ça pour expliquer pourquoi les Kohanim se sont octroyés ce droit. D'accord. Donc, la Mishnah me dit, donc tu peux désigner même un Israël, cependant les Kohanim se sont fixés que ça allait être nécessairement un Kohen qui allait la porter. Amar Rabbi Yossi, sur ça vient Rabbi Yossi et rétorque. Je ne suis pas d'accord de dire que c'est que les Kohanim qui allaient le transporter, parce que Maase Veolicho Arsela, mais Israël Aya, c'est pas vrai que c'est que le Kohanim qui le transportait, puisque j'ai, par transmission, je sais qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une personne qui s'appelait Arsela, nom original, dans le Yerushalmi, il rapporté avec un chine, ça fait Arshele, c'est Hirsch, en yiddish, Arshele, Arsela. Donc en tout cas, à Maasé, il y a déjà eu une histoire que c'était Arsela qui l'a transporté jusqu'au Midbar, ve Israël Aya, c'était un simple Israël, c'était pas ni un Kohen ni un Lévi, c'était un simple Israël qui l'a malgré tout transporté. Donc, tu vois que c'est pas vrai de dire que les Kohanim se sont pris de force ce droit de que ce soit que eux qui les transportent, c'est pas vrai, même un Israël pouvait transporter le Seir à Mishtaleach. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.